C'est avec tant de joie que je prends part à cette belle cérémonie de plantation d'arbres, organisée à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Le 3 août a toujours été une journée d'hommage de l'environnement. C'est une nette évidence de dire que le Niger est un pays où le désert gagne de jour en jour du terrain. À cet égard, ce n'est pas seulement notre sort individuel qui se joue, mais celui de toute la nation. Et ensemble, nous allons planter 200 arbres à l'école Goudel 3. Ce sont des arbres fruitiers, des manguiers, des goyaviers, des citronniers. Si vous regardez l'école Goudel 3, vous regardez l'espace, c'est une école dont presque c'est Katogumba désert. Donc c'est pour cela que nous avons jugé utile. Tous les espaces scolaires qui n'ont pas d'arbres, il faut planter, il faut reboiser pour en verdir, pour mettre les enfants et les enseignants dans les bonnes conditions de travail, pour atténuer la chaleur des espaces scolaires. Il faut entretenir aussi, parce que ça permettra que les plantes puissent être bénéfiques à la population ainsi qu'à la communauté scolaire. Aucune occasion, aucun zéro, car tout redouma. Peut-être de l'indépendance, on tourne les jingarons, ils dumiango zarono hunkona. Tourne les dumiango agonda nafa. Bah dersangu irkoido agonda nafa. Indunya bafunara halson agonda nafa. Bio agabor nafa. Izay agabor nafa. Bori hinga kago kosi. Tourne agate haribuabu anafai gaba agumu. Aseno hunkun irnirlo kachewi irkaga dum tourize. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous d'être ici afin que notre communauté apporte son édifice à l'atteinte des objectifs qu'on s'était fixés au fait de faire du Niger un pays vert.